Eh bien, bonsoir à tous, ici Daramenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Avant que la vidéo ne commence, je rappelle qu'il y a toujours le Discord dans la description. Ça me fait extrêmement plaisir parce que vous êtes beaucoup à interagir, etc. Donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Donc thématique du jour, on va parler un peu de tout ce qu'on pourrait améliorer sur le jeu. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que toi tu penses qu'on pourrait améliorer. Donc je pense pas que je vais dire tout ce que j'ai noté. Je vais un peu plus développer parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire et expliquer en quoi on pourrait changer. En fait, il faut pas juste dire voilà qu'est-ce qui va pas, mais expliquer comment on pourrait changer. Donc je vais m'arrêter quand la vidéo sera probablement à 8-9 minutes parce que sinon ça va être extrêmement long. Donc il y aura probablement plusieurs parties. Donc première des choses, le point à améliorer pour moi, c'est les coffres. Pourquoi les coffres? J'ai remarqué quand j'étais en train de monter enfin cette réputation des Romuliens, je suis allé dans deux systèmes différents. Donc, je suis allé à Sirius, juste là, et je suis allé à Babel. Et au niveau des coffres, en fait, j'ai remarqué que Sirius donnait de meilleures récompenses en termes de plans de vaisseaux, que ce soit des Saladins, des Intrépides et des Antares, qu'à Babel. Pourtant, la différence de niveau des vaisseaux à l'intérieur de ces systèmes, elle est notable, hein. Si le plus faible est à 737 000, alors qu'à Babel, le plus faible, alors 737 000, il est à 1 124. C'est-à-dire que pour 400 000 de différence, les récompenses sont moins bien meilleures ici qu'à Sirius. Donc un rééquilibrage pour moi au niveau des coffres. Il y a un gros problème, les récompenses ne sont pas assez... ne sont pas assez représentatives du niveau, hein, pour moi. Je sais que Sirius, c'est pour moi une des exceptions. Vraiment, il est extrêmement bien, ce système, en comparaison typiquement à l'APDS. Et puis l'autre, c'était quoi? C'était... il est par là. Bon, bah celui-là, voilà, je vais pas le prononcer, il est trop compliqué. Il donne vraiment des bonnes récompenses. Mais il faut revoir ses coffres. Les récompenses sont pas assez bonnes. Et même dans les coffres, il y a des incohérences. Quand tu gagnes, tu peux gagner typiquement un crédit de fédération. Un seul. Je sais pas à quoi ça sert, mais t'en gagnes un. D'accord, donc ça c'est nul. Ça c'est pour moi, ça a enlevé. Soit t'en gagnes une trentaine minimum, soit t'en gagnes zéro. D'accord. Deuxième point, c'est le Deep Space. Donc c'est l'espace, ouais, l'espace profond. Hein. C'est l'endroit où tu vas avec ton jellyfish. Hein. C'est vraiment loin, loin, loin. Par là-haut, voilà. Pour moi, c'est pas un problème le Deep Space. Le problème, c'est que le Deep Space soit compris dans des événements. Comme typiquement les events de minage de Latinium. Pourquoi est-ce que je dois... Je suis dans un classement contre des joueurs niveau 38-39. Il faut savoir que pour atteindre le Deep Space, je crois que bah, justement tu dois... On m'a dit qu'il fallait être minimum 38. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans le Deep Space. Pour pouvoir, à mon avis, ça va être faire ses missions. Donc pourquoi est-ce que je dois jouer en fait contre des joueurs 38 qui... Enfin voilà, ils ont un avantage déjà par rapport à leur niveau et en plus par rapport aux lieux dans lesquels ils peuvent aller. Il faut savoir que le Deep Space, tu mines à la même vitesse que le 3 étoiles, sauf que ça rapporte deux fois plus de points et que les gars qui sont en Deep Space, ils ont des mineurs qui minent deux fois plus vite. Ils ont des mines deux fois, mais enfin deux fois, non, dix fois plus grosses en fait, littéralement. Les mines sont environ entre 50 000 et 100 000, voilà. Donc ils partent déjà avec des points de base de 2 millions en fait, s'ils gardent un peu leur mine pleine en fait, leur vaisseau plein. Donc gros problème au niveau de ces events par niveau et par rapport au Deep Space. Ça c'est deux trucs qu'il faut totalement revoir. Ensuite, autre gros problème, c'est la réputation. La réputation... J'ai cliqué sur le mauvais truc. La réputation, en fait, t'es obligé de la mettre à 10 millions chez les 3. Ça, c'est un truc que je viens de me rendre compte. T'es clairement obligé et c'est vraiment agréable quand tu l'as chez les 3. La réputation à 10 millions. Mais pour mettre la réputation à 10 millions, ça prend un temps fou. Un temps que, typiquement, on peut à peu près avoir avec ce confinement, Corona, etc. Mais dans la vie... Bah, de tous les jours, typiquement, moi je suis en année sabbatique, donc je travaille pas cette année. Mais si j'avais pas pris d'année sabbatique, j'aurais probablement une seule réputation à 10 millions.
peut-être une autre en route, mais j'en aurais eu qu'une seule. Donc il faut régler ce problème. On a des vies et on peut pas, voilà, être tout le temps en train de monter la réputation pendant des heures et des heures. C'est pas possible, on a tous des vies de famille, des vies autres que sur le jeu. Donc pour moi, en fait, ça devrait tout simplement prendre moins de temps. Et pour que ça prenne moins de temps, il faut augmenter la réputation que typiquement les vaisseaux donnent. D'accord? Donc typiquement, bah, ici, si je gagne 888, bah, pour moi, je devrais gagner, sincèrement, je rigole même pas, 2000 d'euros 1000. D'accord? Donc soit tu augmentes directement le ratio sur les vaisseaux, soit tu augmentes dans les recherches Galaxy, ici, tu augmentes encore. Parce que voilà, ça c'est vraiment, tu gagnes pas vraiment beaucoup, 5%, c'est bien, ça fait la différence, mais c'est trop tard. Pour moi, tu devrais, en plus, pour gagner les 7%, il faut être niveau 33. C'est vraiment tard, hein. Faut pas commencer à monter la réputation niveau 33. Faut monter avant, faut monter au niveau 30, 28, entre 28 et 30. C'est trop tard, 33. C'est clairement trop tard. Ici, il faut augmenter les ratios. Ici, sincèrement, faut encore les augmenter, hein. C'est trop faible. Tu peux presque doubler, hein, ici, hein, sincèrement. Et puis, s'ils veulent pas augmenter les ratios, au moins que, sincèrement, tu peux faire en sorte que déjà, il y ait plus. Alors, dans ces systèmes-là, ça va le nombre de styles, mais dans un système comme Babel, sincèrement, selon, voilà, si je tape les deux ici, après je vais aller taper celui là-bas, et tu perds, là après je peux pas aller ici parce qu'il n'y en a pas, je dois peut-être aller là, en montant par là, ensuite je vais aller tout là-bas au fond, il n'y a pas assez de styles, je perds, tu perds la moitié, en fait les trois quarts de ton temps, tu perds en essayant d'aller d'un style à l'autre, et les combats, en fait le vaisseau pour moi est bloqué pendant trop de temps en combat, d'accord? Donc tu peux réduire le temps de combat, tu peux peut-être augmenter la vitesse de déplacement du vaisseau ou augmenter le nombre de styles qui spawnent au total dans le système. Tu peux augmenter la réputation que ça rapporte, augmenter encore la réputation dans les recherches. Sincèrement, il y a beaucoup que tu peux augmenter, vraiment beaucoup. Parce que pour moi, tu devrais pas passer autant de temps à augmenter ta réputation. C'est vraiment trop long. Donc je vais encore en parler d'un truc. Voilà, c'est. Et après je m'arrêterai là et je ferai d'autres parties. C'est les events, on va dire, à rallonge. D'accord? Typiquement, il y a eu l'event Borg des Armadas. Alors déjà, le problème, c'est que c'était un event Borg où, en fait, c'était pas en mode t'allais marquer tous les points. Tu pouvais pas marquer tous les points même en achetant des packs. Enfin, tu peux, mais ça prend trop de temps et c'est pas rentable. Du coup, ce que tu faisais, c'est que tu marquais 500 points et t'arrêtais. Tu faisais littéralement 5 combats sur des armadas communes et t'arrêtais. Tout ça te rapportait quasiment aucun point. C'était un event qui a duré 12 jours. Sincèrement, au bout du 8e jour, moi j'ai arrêté de le faire parce que ça rapportait pas assez et qu'on avait tous les points dans l'event d'alliance principale grâce aux 500 points. Les petits trucs rouges qu'il fallait récupérer. Mais un event de 12 jours, c'est trop long pour si peu de récompenses. Vraiment. Et c'est même pas comme si les armadas t'apportaient beaucoup, hein. 180 au total de nanoprobes là, à répartir dans un groupe de 5, c'est vraiment rien. Je tue un hostile, j'en ai plus. C'est même pas comme si l'armada rapportait beaucoup. Donc, j'ai vu que l'event de chasse à la faction, ils ont fait 15 jours. Celui-là, il me semble, hein. À moins que j'ai loupé un jour, mais ça m'étonnerait. Mais ils ont fait un jour, donc déjà, ils se rendent compte que ces events à rallonge, c'est un peu trop long. Même les events de 3 jours. Sincèrement, si un event de 3 jours, c'est qu'il faut vraiment des bonnes récompenses. Et des récompenses qui sont très clairement en proportion avec la durée de l'event. C'est un event de 3 jours, tu te dis je me mets à fond pendant 3 jours, mais ça va me rapporter vraiment quelque chose de bien. Typiquement, c'est un event d'alliance de 3 jours, je m'attends à gagner au moins
Imaginons en termes de ressources 3 étoiles assez rares, pourquoi pas 50 cristaux assez rares et 5 rares 3 étoiles. Pour 3 jours, moi je trouve que c'est. Alors je parle juste en 3 étoiles, hein. Mais après t'as le tritanium, t'as le parstyle, enfin surtout il donne beaucoup de parstyle, mais t'as le parstyle à côté, etc. Pourquoi pas même pas diversifier avec des jetons de relocalisation? Pourquoi même pas des crédits de faction? Je suis sûr que ça donnerait beaucoup plus l'envie de s'impliquer dans ces événements. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que la vidéo est assez longue. J'ai mis quelques potentielles choses à améliorer ou à changer. Je pense que j'ai expliqué pourquoi, et ça c'était le plus important. Maintenant, n'hésite pas à me dire sur le Discord ou dans les commentaires ce que toi t'en penses et si t'as d'autres choses à améliorer. Là, on a vu des choses assez importantes, mais aussi des choses toutes bêtes qu'on verra dans les prochaines vidéos. Voilà, n'hésite pas à commenter et à t'abonner. C'était Taramnel sur Star Trek.